Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de XCOM 2. Donc, on retourne tout de suite sur la passerelle. Voilà, et on va finir d'établir le contact. Tentative de contact régional local. Ok. Les extraterrestres renforcent leur cryptage, ce qui augmente le coût de renseignement de 100%. Ok, ça c'était prévu. Donc on continue. Voilà, toi tu vas poursuivre l'entraînement avec schisme. Voilà. Non, on a déjà la deuxième cellule. On l'a déjà, donc pas besoin. Du coup, on retourne au jeu SCAP. Message de la résistance. Je reçois un message pour vous, commandant. Je le transmets dans vos quartiers. J'avais de grands espoirs pour la résistance sous vos ordres, commandant. Et vous vous êtes surpassé. Voilà, c'est bon. On continue. Alors, on a droit à deux opérations cachées. Donc, Advent réprime sévèrement, recrutement augmente de 100%. Scientifiques extraterrestres progressent dans le projet Avatar et font deux debugs. Ok, donc je pense que ça sera celle-ci qu'on fera. Apparemment, on peut encore révéler ça. Ah non, on n'a plus assez. Voilà. Donc, on va ignorer pour le moment. On va déjà finir de prendre le contact. Terrain d'essai, projet d'armes autonomes, canon perforant. Voilà. Et donc, on prend contact avec la région choisie, de manière à avoir accès à la mission. Ouais, qui est fait. Nous avons établi le contact avec les membres de la résistance opérant dans le secteur, commandant. Et on gagne désormais comment pénétrer dans la forge des extraterrestres. Voilà. Et donc, on va aller s'occuper de notre ravitaillement et après on ira s'occuper de cette mission alien. Donc le ravitaillement est là. Calcul du nouveau cap du Talion. On va chercher tout le ravitaillement. Et on en a pour 3 jours, ce qui devrait en même temps finir l'entraînement. Voilà. Ok, ça les rend invulnérables, mais ça les assomme. Comme pour ses équipiers à proximité, Inspiration octroie immédiatement une action bonus à un membre de l'escouade. On va essayer avec les joueurs. Voilà. Et donc, on va chercher notre ravitaillement, des bons sous-sous. Hop, on va racheter plein de choses dont on n'a plus forcément besoin. Retourner au QG de la résistance. Recruter du personnel non plus. On n'en a pas vraiment besoin. Des renseignements. On n'en a plus que 42. Donc là c'est vrai qu'on va être un peu lège. Mais voilà. Et donc, plutôt que tout ça, on va se lancer directement sur la mission. Donc le matériau récupéré sur le site secret comprend une série de coordonnées codées qui nous ont menés jusqu'à cette installation. La reconnaissance à distance nous indique une forte présence ennemie. Inspectez l'installation et trouvez son lien avec les opérations extraterrestres. Donc on aura 13 ennemis, donc une bonne quantité, dont du sectopode, de l'officier, du lancier. Ça risque d'être un peu compliqué, mais mettons le cap sur l'Asie. Faudra qu'on y aille de toute façon à un moment ou à un autre, donc tant qu'à faire, autant que ce soit maintenant. En plus, ça fera probablement redescendre le projet Avatar de plusieurs cases.
Donc voilà, tout notre personnel est là. Et donc on va envoyer le meilleur, la crème de la crème. Pour cette mission, qui va probablement être très compliquée. Escouade barrée au déploiement. Donc on commence la mission tout de suite, on n'attend pas, on va se dépêcher d'accomplir les missions de quête. Puisque là ça commence à faire un moment qu'on attendait. Voilà. D'après notre analyse, cette forge est un site de production extraterrestre, probablement lié à la matière découverte sur leur site secret. Advent et les extraterrestres ne seront pas contents de nous voir, et le combat sera acharné. Nous devons tout faire pour savoir ce qu'ils fabriquent exactement là-bas. Ok, c'est parti. Faut quitter sur la forge. Un sac, ici le Talion. La base est à portée. Allez voir ça de plus près. Position is obscured. Donc tous nos soldats sont en mode camouflé. Donc à la limite, on va essayer de se déployer sur la hauteur. Ok, je me dirige vers la cible. Ordre bien reçu, j'y vais. On va tous se déployer le plus vite possible. Tout de suite. Ok. Le bloqueur est installé. Colette Thomas. Bon, jusque là ça allait, donc tu devrais pouvoir aller passer par là. Un sentinelle. Tout de suite. Sentinelle, c'est pas qu'il a bon mouvement. Puisque je crois que je lui avais mis un espèce de déplacement. Mais... Une patrouille ennemie en visuel. Ok, donc on en a déjà repéré. Là, je suis sur le coup. Passer. Et donc il reste Brandon. C'est par ici. Move on out. Voilà. Tu
Monsieur, je reste en observation. Par contre, c'est bizarre, j'étais sûr de l'avoir placé derrière l'arbre. Pas placé derrière là. D'accord. J'avance. Voilà qui est ton mur. Du coup. Understood. Moving out. Du coup, on va déplacer Sentinelle. Qui devrait pouvoir venir se placer ici, je pense. Position confirmée. Voilà. On va rapprocher du contre-op ici. J'avance. Voilà. Continuous. Random. Sanglot. Sanglot, où est-ce que je pourrais faire avancer? Du coup, là, ça te fait un sacré déplacement. On peut te mettre là. Ok, je bouge. Un et le cœur, pour le moment, tu vas rester un peu en arrière. On va passer tout ce monde en vigilance. Je passe en vigilance. Je reste en observation. Je reste en observation. Affirmatif, je couvre la zone. Ce monsieur. On va commencer par là. Voilà, surprise, c'est moi qui est là. Toi, t'as mangé. Ils savent où on est. Et maintenant, tout le monde va venir. Voilà. Rappé, tout le monde va venir bouger. Et du coup, on va manger. Cible éliminée. Voilà. Barré. Ce groupe-là a déjà mangé. Donc, plus que 11, dirons-nous. Par contre, du coup, maintenant, on est un peu repéré. Apparemment, ça se déplace beaucoup. Il y a eu beaucoup de mouvements, visiblement. Donc, ce qu'on va faire... c'est qu'on va commencer à avancer nos soldats en bas. À vos ordres. Voilà. On continue à se déplacer vers notre objectif qui se trouve bien loin d'ici. Voilà. Et donc toi, tu vas nous faire un petit protocole de scan dans le coin, histoire qu'on repère un peu mieux. Il y a du monde. Voilà. Donc on n'en a repéré un là-bas. Ok. Donc. Du coup, ce monsieur, on va pas le déplacer tout de suite. On va déplacer l'icontrope qui va venir ici. J'y vais. Sentinelle.
j'y vais. Voilà. En vigilance. Mettre en vigilance, bloqueur. Bloqueur, toi, tu vas être bien avancé jusqu'ici. C'est tout bon. Ordinus, toi, tu prends une vigilance. Je passe en vigilance. Vigilance. Et bande de nageurs, on va le faire déplacer jusqu'ici. Ok, I'll go. Voilà. Et on va le mettre en vigilance. En vigilance. Ok. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Les deux premiers qu'on a vus, on les a... Oula. Donc, par contre, il y a une belle collection de sectopodes qui nous arrive dessus, là. Ça promet. Donc. Là, ça promet d'être un peu chaud. Je rejoins la position. Voilà. Du coup, t'en as repéré. Ok, on va pas faire ça tout de suite. Rodimus, du coup. Je te ferai bien avancer jusqu'ici. Ou jusqu'ici. Je suis en route. Voilà. Donc là t'en as envie. Du coup on risque de déclencher. On va essayer de rester. Overwatch. Dedans. D'accord, j'y vais. Pour nous faire. Je passe en vigilance. Tout de suite. Je me dirige vers la position. Oh. Ah, une casse près. Une mortière. Dur. Heureusement. Cible coriace, dégâts nuls. Du coup, lance neutralisant, feuille de melon. Mèche. On va plutôt faire ça. Une petite faille du melon sur ce monsieur. La faille vous attend. Ça lui avait fait grand chose. Par contre, là, on a vu à cette distance, et vu que t'es camouflé, toi, tu pourrais pouvoir le surprendre et là. Voilà. J'ai tué un ennemi là, non? Ça c'est. Ils viennent vers moi. Du coup, avec ton implacable, tu vas pouvoir te replier un peu. Ok, je vous fais confiance. Et donc, Rodimus, toi,
tu vas te mettre en vigilance. Scan en cours. Et son lot, tu vas prendre une vigilance aussi. Affirmatif, je couvre la zone. Voilà. Et donc, après le mouvement des extraterrestres... ça n'a pas l'air d'y avoir beaucoup de mouvement. Apparemment, ils n'ont pas bougé. Enfin, pas le deuxième sectopode qui était dans le coin. J'ai cru en avoir vu deux. Donc, du coup, je vais mettre fin ici à l'épisode. Je vous retrouve demain pour la fin de cette mission. On va récupérer au plus vite, on va explorer au plus vite la forge et récupérer un max d'infos pour continuer à avancer dans les missions principales. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Pensez à liker la vidéo, à la commenter et je vous retrouve demain pour la suite.